Za uwe fruik ni maya nifta van ting nikun ting nari Tom paya kato sa ke a kato sa ek kong talana weru ta yasi Za uwe fruik ni maya nifta van ting nikun ting nari Tom paya kato sa ke a kato sa ek kong talana weru ta yasi Bon les mecs dans la maison rouge, on a bien rigolé là, on s'est envoyé quelques roquettes, c'était marrant. T'as ma lunette électrique. Oh, je peux pas. Il est là. Je vous en fous, peut-être. Ah, il y en a un autre encore. Tu me fous. Ouais, je prends ça pour l'instant. Y'a un mec sur la route, derrière toi Big D. Il te vise. J'étais en train d'écrire un message. Je vais tuer. Nice Big D, nice, faites gaffe, y'en a pas d'autres. Romano. C'est Romano. Encore. Putain, mais lui je l'entends parler souvent de Romano. Il fait pas une émission sur Skyrock. Oh là là, quel humour, et je suis drôle ou pas? Il sera en retard demain. Ouais, putain, Romano, il va être en retard à la radio, Romano, hein. Je suis désolé, mais... Bon, allez, venez, les amis. Venez dans le château fort. Entrez au chaud. Donc là, vous voyez, nous avons de moult portes. Bon, faut tuer. Vous en avez pas beaucoup, hein. De quoi? Des portes. T'es pas prêt, à mon avis. Là, ah, déjà, si. ça te convient ou pas, déjà? C'est pas mal. Voilà. Donc là, on a toute cette petite porte. Là, derrière, on peut pas sortir, hein, vous inquiétez pas, c'est sécure. Hein. Et là, ici, vous arrivez dans la première partie. Voilà. Donc là, voilà, avec de multiples rangements. Voilà, on veut que ça soit propre, qu'on ait de la place. Là, on peut courir, tout, c'est spacieux, tu vois, on peut ranger ce qu'on veut. Tu vois, c'est pas mal, c'est beau, ça donne envie. C'est vrai qu'on peut bien courir, à de l'espace, là, pour faire le sport le matin. C'est ça. Hop, au 5 mois de confinement. Bam, on est là. Voilà, on fait des tours comme ça. Hop, tu peux aller là-bas, tu peux revenir. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Bon, là ensuite, nous avons la deuxième partie. Bon, ici, c'est encore, ça va changer. Hein. On a en gros des caisses à poser. Ce sera plus détente. Après, il y aura encore des petits trucs à mettre. Bon, rien de bien fou ici. C'est pas, tu vois, c'est comme ça. C'est des petits stuff de merde. Bon, voilà, on s'en fout un peu. C'est là. Là, ça devient intéressant. Là, on a l'espace de vie. L'espace de vie collectif. J'ai l'impression de reconnaître ces tentes. Ne serait-ce pas les tentes de la grotte? C'est les tentes de la grotte, bien vu, ça tombe. J'avoue, elle m'avait l'air familière aussi. Ce sont les tops. Les tentes de la grotte. Évidemment. Donc voilà, tente avec petites étagères, petite caisse devant. Voilà, on a voulu donner un petit... Franchement, j'aime bien cette petite allée, tu vois. On est dedans, là, ça donne un petit côté sympa, je trouve. Voilà, c'est vrai que c'est dangereux, mais... Bon là ici on peut tomber mais bon c'est pratique on va dire. Là, bon allez, venez voir parce que vous avez pas tout vu. Là c'est pareil, regardez, ça va jusque là on a des rangements. Et là vous dites. Là, PVP là, pas là là. Ouais voilà, on a un petit visu pour au cas où de raid, tu vois, on peut venir au-dessus, regardez, tu vois, on peut venir check un peu. Hop, besoin de jeter des grenades, bam, grenade, Etienne, passe-moi une grenade, hop, là comme ça. Boum. Ils sont morts, allez. Là, quand vous pensez avoir tout vu. On a une dernière surprise. Ici, voici une dernière chose. Oh. Venez, rentre. Ok. Bon. Salle sécure, pas des moindres. Du coup, tu m'as dit que, genre, si je fais un truc comme ça, là, et je pose mon arme dans la salle sécure, elle devient automatiquement sacrée. C'est ça. Et regardez ce qu'on a dans la salle sécure. Ça, c'est un truc que tout le monde ne peut pas voir. C'est un truc que pas grand monde, même. Que pas grand monde n'a. Le bébé Yoda, voilà. Le bébé Yoda qui est bien au chaud, hein, sur... Voilà, on le stocke quelque part en exposition. En plus, on peut le voir, vous pouvez l'observer. Je vais vous le reposer, attendez. Le bébé Yoda, voilà, qui peut être observé ici. Lui, il est sacré. Oh là là. Voilà. Oh là là, il fait toute la beauté de cette base. Attends, mais on a une caisse en bois, Etienne, à l'intérieur de la salle sécure, là. Ouais, celle où j'avais ma M4 plus. Ok. Bon, bah ça, c'est... Il y a un mec qui est dans la colline. Ok. Bon, venez. Justement, on va pouvoir introduire la suite.
Sortez. On va se battre. Allez, venez voir, venez voir. Venez voir, venez voir, venez voir. Là, ça va vous plaire. Là, faut arriver à passer donc. Là, j'ai vu, j'ai vu. Vous vous accroupissez, vous vous allongez, voilà, passez, chacun votre tour, montez en haut, ensuite. Et là maintenant, on arrive sur le toit. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien organisé. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que voilà, on a tout mis de façon à pouvoir être un peu caché, on peut prendre des visions un peu partout tout en se cachant. Faites gaffe les quand même trois, dans les tours. Les trois murs dans un côté, c'est nous hier soir, face build pour se cacher. C'est où les mecs dans la colline du coup? Ils sont cachés là, je les vois plus. Est-ce que vous avez un câble? Bon, on en a quelques-uns. J'aimerais bien fermer la base des avocats. Des avocats, des vodkas. Des vodkas, oui. Et vous avez vraiment le droit de la prendre comme ça là, avec fermé, construite ouais, et tout. Ouais, il m'a dit tu prends un screen si jamais et tout. Tu veux faire ta base vite fait ici à leur place? Si t'as leur accord, let's go, je te file des câbles et tout. Hein. Câble Digicode, on a. Poulet sécure. Après, on vous les rendra, monsieur que j'ai fait. Non, 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 tranquille, on en a plein. Pour, on en a plein. Faut que vous t'en servez votre base du coup. Ouais, mais on le fera une autre fois. Oui, je veux bien. Kerr, j'ai comme l'impression qu'ils nous ont oublié en haut. Je sais pas toi, mais. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi. Faites rapide, les gars, là. On peut sortir de l'autre côté? Bah non, on peut pas. Les gars, je vais vous montrer la sortie rapide. Venez, venez. Il y en a pas, venez. Bah bravo. Faut un kit de clôture, mais oui. Oui, oui. Mais oui, c'est clé. Mais devine quoi, j'en ai un. y'a pas quelqu'un qui veut nous mettre une petite musique de construction là? Non, c'est pour l'instant copyright et tout donc. Poto, il aurait plus qu'à mettre les plans. Vas-y, viens là, taupe. Ouais. Tiens, prends ça. J'ai mis un truc par terre qui va te plaire. Merci. Faut ramener des planches en bas. Yes, mais j'ai plus de scotch donc il n'y en a plus beaucoup. Mais ça devrait suffire si, 40. 40 planches? Ouais. Ah oui, ça devrait. Et il y en a déjà 10. Bon, à la base, elle est pas perdue comme ça, ouais, ça servira à d'autres gens. Oui. Ah, mais tous les pneus sont pétés, non? Oui. Tous les pneus sont arrachés. Non, moi c'est la Gunter que j'ai sortie. Y'a marche l'autre là-bas, la Gunter? Non, j'ai tout enlevé. Bon bah voilà, vous avez une belle base déjà. Du coup, vous avez plus votre base sur l'église là? Si. Mais il va l'enlever. Faut juste aller voir un dernier truc maintenant. Ah oui, donc venez voir parce que là, il va falloir me ramener les rondins. Pour un endroit si vous voulez être vraiment sécure. Là-haut, c'est pareil, c'est fermé. Voiture. Ils sont plus loin. Ils sont barrés sur la route? Non, ils sont là. Un mort? Mort? Ils sont tous morts, non? Attends. Ils sont tous morts, quoi? Je pense qu'ils sont tous morts, ouais. C'est où le moteur? Recule, va. Démonte que ça s'éteigne. Bien joué. J'ai pas halluciné, j'ai vraiment une voiture du coup. Ça me fait découper les corps. C'est quoi les dons? J'ai 5 corps Neptune. Ah, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Ils sont 4 dedans, gros. Ils sont 4? Ils sont 3? Okay. Ouais. D'accord, ok. Bon, vas-y, hein. Bon, laisse-leur des trucs quand même, on va pas tout prendre. Hein. Ils ont de la bouffe? Ouais. Ah oui, la bouffe, on va peut-être la prendre. Hein. Son pantalon. Vas-y, bah dites-leur dans le chat qu'il leur reste des trucs s'ils veulent. Juste j'ai ramassé une arme, une hog m'a intéressé, je l'ai pris. Moi une MD-140, je t'avoue. Je t'avoue que bon voilà, je me suis peut-être un peu servi mais bon. Un petit coup de cœur. J'ai ramassé du sulfure aussi. Je t'avoue que le sulfure ça me sert un peu. Ah, c'est vrai qu'il faut passer en voiture dans notre village, désolé mais... C'est tendu. C'est tendu pour les gens qui passent, quoi. C'est la guerre, hein. Non, je veux juste fermer votre petite fenêtre, là, que vous, personne puisse rentrer dans la base, là. Ah ouais, faut ramener les planches, taupe. Je ramène. Pas beaucoup, hein, je pense, mais... Est-ce que je peux te les envoyer? Non, yeah, parce que ça va faire... Si ça les perd, et qu'on doit reperdre du temps encore. Il y en a d'autres.
Tu les attrapes en vol aussi. Ah, je peux pas. Si. Oh putain, gros, je suis sûr. Ah, tu les, les avais? Je suis sûr, je peux les prendre. Attends, fais voir. Si on y arrive, c'est fou. Oh, je les ai eus, mec. C'est... Je les ai vus faire. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Voilà, c'est bon, plus personne peut rentrer chez toi. Perfect. Bon, ça va, il reste beaucoup de choses. Bah, viens, viens. Bah, faut pas passer comme ça, toute allure là, nous. Bah, d'accord, là, ça fait du bruit et tout. Ouais, faut respecter la route, hein, ça roule trop vite là, monsieur. Ouais, j'imagine que le tapage nocturne ici, c'est pas autorisé. Ah, bah, non, hein. Pas trop, non. Il faut mieux éviter dans ce patelin. Vas-y, attends, Steph, là, par contre, t'avais quoi? Tu voulais récupérer quoi dans ton sac? J'avais une caisse à 20 000 balles, là, de rangement. C'est la petite? Au pire, c'est pas grave. Non, mais si c'est la petite, je peux t'en redonner une. Non, c'est la 500 plus, ça va me dire. Oh, fuck. Mais elle est où? Attends, j'arrive. Bah, attends, parce que sinon... Non, mais je vais, tu sais, il y en a une petite dans la base, là. Moi, je me vois, je vais te... Je crois qu'il y a des stuffs qui ont disparu en fait. Bah, si c'était détruit. Parce que là, il y a même pas mon corps en fait. Ah non, mais on t'a découpé, hein, donc. On a, en fait, on a tout découpé, mais. Il va y avoir trop de stuffs plaqués au même endroit, je sais pas, ça a des pop. Bah, ouais, mais au pire, tant pis. Hein. De toute façon, je l'ai fait en même pas 20 minutes. Peut-être. Non, mais si tu veux, on va te donner quelque chose, t'inquiète. Vas-y, déjà, ramasse ce que tu veux. Hein. Je vais pas rester à côté, on sait jamais. T'inquiète, il y a The Big D qui va me défendre. Tolimar, moi je m'en souviens. Hein. Ils arrivent, tes mates? Ouais. Non, ils sont même pas venus. Moi, je me suis dit, je vais peut-être venir juste récupérer mon truc là. Parce que je suis avec eux, mais pas vraiment. Ah, d'accord. J'ai ma propre base tout seul. Tiens, si tu veux, t'as ça, c'est pas aussi bien. J'ai mais... que ça, mais j'ai que ça dans la base. Non, mais ça va très bien. Merci en tout cas, hein, les gars. Ouais, si t'as besoin de quelque chose en particulier, un petit objet, on peut peut-être te filer quelque chose, tu vois, si t'as besoin d'un... Je sais pas... Oh, c'est bon, c'est juste que là, je suis full chez moi, j'ai juste 2 varines, et puis là, je suis... Ok. Bah, si tu veux de la place, on peut te filer une... On peut te filer une tente 500 places, si tu veux. Je sais pas si t'as la place pour la prendre, après, mais... Si tu veux une tente 500 places, on peut t'en filer une. Le bâtard, le top, t'es... Bah, vas-y, je vais te chercher une tente, mais j'espère que t'as de la place pour la prendre, parce que c'est assez grand, quand même. T'es vraiment bâtard. Tu as donné de la viande humaine, espèce de con d'enculé. Putain, on essaie d'être gentil avec lui, il va crever avant d'arriver au bout. Arrête, en vrai, faut pas qu'il meure, non, non. Il va pas mourir. Non, il va juste devenir fou. Faut qu'il se barre vite avant qu'il s'en rende compte, hein. Je vais faire une petite question. Ça va, t'as besoin de bouffe, d'eau On va aller au tir après. Non, mais au pire, je lui donne la voiture, de toute façon, nous, qu'est-ce que... Non, non, tranquille. Ah, mais il roule même bon, pas. On va pas tout lui donner non plus, c'est pas parce qu'on a tué. Les gars, tranquille, donner, hein. C'est pas parce que oui, c'est pas parce qu'on l'a tué qu'on va tout lui donner. On est sympa, mais. Il a même de la chance de pouvoir revenir sur son sol. Tu vas pas, tu veux pas lui offrir ta base non plus. Tu veux pas. Tu vois, mec, viens les codes de la base, c'est ça, vas-y, rentre. Hein. Non, mais. Tiens, regarde. Viens voir. Tiens, prends ça. Tiens, au moins, t'auras de la place pour. Voilà. Et ouais, tu... Oh, t'as séché, on l'a viré. Bah écoute, ça, y a pas de quoi, hein. Écoute, bonne chance pour la route, tu vas en avoir besoin. Bonne chance pour la route, hein, meurs pas quand même, ça serait... Vas-y, bon jeu à toi, salut. Tchuss. Fais gaffe à toi. Perds pas ma tente. J'espère qu'il va pas mourir, parce que mec, ça me fait chier, je lui donne comme une tente. C'est pas ouf, tu vois, mais... Tu vois, ça me fait plaisir de lui donner, ça me rendrait triste qu'il meure avant en fait. Bon, vas-y, on va faire un petit tour, on va se balader. Perds pas ma tante, il lui a dit en partant. J'ai dit perds pas ma tante. Hein. Sinon, c'est bon, on retournera à leur base, on ira les raids et on récupérera la tante, Etienne. Oui, on a mis un c'est juste pour lui permettre de stocker dedans pour la récupérer. C'est ça, on a mis un mouchard dans la tente là, il est plié et quand il va la déplier, la tente, bam, on va recevoir une petite alerte. Où est-ce qu'on peut aller? Je sais pas, hein. Je sais plus. Hein. Je sais plus, je connais plus la map. Là-bas, ça tire. Mais est-ce que parce que ça tire, faut y aller? Oui. On va arriver là-haut, ça va tirer derrière nous. Oui, c'est possible. Ah, il avait l'air content. Ouais, ça me fait plaisir, tu vois. Franchement, ça me fait plaisir. Ça sentait qu'il était content dans sa voix. Ah non, les gars, non, fallait pas, merci.
Moi ça me fait plaisir de leur faire plaisir aux gens comme ça, franchement. Je suis content. Ils ont reconstruit en bas ou c'est toujours Ici ça a été une nouvelle base. Oh, putain, parce qu'on l'avait arrêté. Ils ont pris qu'un bâtiment, ils ont pris je crois, non. Non mais la base de un bâtiment là on la raid en fait. Ah ok, celle-là les photos la dernière. Ouais, ouais. Ah, celle-là la décharge et tout. On a fait raid C4 et tout. C'est beau. Oui, il y avait les vodka hein, surtout, ils nous ont pas mal aidé mais... Voilà, on a su apporter la petite éplin, la petite note pute, bref. Bref, voilà, on a aidé. Il y a des mecs en face, colline d'en face. Colline d'en face, il y a un mec, vous le voyez? Colline d'en face. Ouais, ouais. Mort. La balle explose. Je sais pas qui l'a eu mais... Bah c'est toi pour moi, mais je pense que c'est... Je crois que c'est le Barrette qui l'a eu. Ouais ouais. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Ah merde mais j'ai pas d'autres. Ah non j'ai pas d'autres chargeurs, putain. Ah, je vais jouer avec un chargeur de M14, bah ça m'amuse pas ça. Non, non. RC il s'appelle. Il y a une petite veste, ça m'intéresse. Moi, tiens, t'as les codes log, prends, tiens. On sait jamais si t'avais les ramener. Y'a de la bouffe ou pas? Y'a de la confiture, je prends. Voilà. On va y aller là-bas, on va y aller les gars, hein, là-bas. Let's go, on y va. Hein. Et où la base là? Elle est là-bas. À droite. Pouvez-vous aller vous, les amis? Tiens, j'ai besoin de tes yeux pour voir, pour que tu scannes un peu autour. Active la rayon X. Ouais, je vois que des arbres. Ok. Oh. C'est confirmé en tout cas, c'est confirmé que du monde est là. L'info est confirmée. Ah oui, je suis tout seul de mon côté. Moi je vais venir avec vous. J'ai les yeux un peu fatigués là. Ok, t'as la taupe qui va... Quelques secondes de latence. La taupe qui va les barrettes. J'aimerais bien les M240 aussi. La cadavre là. J'entends des mouches là. Y'a un mec là. Ah non, c'est un cadavre buggy. Ouais, c'est un cadavre buggy dans le mur. Ok. Après, il s'est peut-être vite barré. Je pense qu'il se serait barré. Peut-être. Je pense pas qu'on se barre comme ça de la guerre. Top. Ouais, je sais pas, il est pas dans le grand bat en tout cas. En tout cas, y'a personne. Oh là là, le masque à gaz, il est magnifique. Oh, yoy yoy. En tout cas, y'a plus personne, ouais. Et on... C'est bizarre, hein. Il devait vraiment pas être loin parce que, attends, il a tiré. Regardez-le, lui, là. Shigé, c'est Shigé 223. Tu peux passer à travers le mur. Attends. Et regarde, il est avec sa hache en main. Il revient. Tu fais des passes, attends, je te l'envoie. Tiens. Mais, attends, je te l'envoie. Allez. En fait, je sais où ça a tiré plus loin. Ça va pas tirer dans la base. Ouais ouais, ça tirait peut-être en bas là non. Ah ouais, ça peut avoir tiré partout là, au caillou et tout hein, ici hein. Y'a un mec, y'a un mec. Où? Devant toi? À côté de moi là, ouais. Vise. Combien de mètres à peu près? 100 mètres. À droite? Ok, je le vois, je l'ai vu. Il a pris des balles? Il est mort, il est mort. C'était lui? Y'en a un autre derrière je crois. Ouais ouais ouais, un autre. Ça crouge. Je le vois pas. On perd la route. C'est lui qui tire. Il sauve, vous l'avez vu, vous l'avez vu? L'autre il se lève en face de moi. Hello man, hello. Ok, il était pas mal. Oh là là. Oh les gars, faites gaffe. Ça tire en vue. Il a riposté dans le sap. Bon, il a pas fait grand chose. Ouais, c'est peut-être fait niquer, non? Ouais, il s'est peut-être tombé sur un mec, hein. Il est parti où, lui? Il peut-être, on l'a peut-être déjà contourné, en fait, gaffe qu'il soit pas arrêté avant. Il est sac cool, hein, donc Ah. Il est là, devant moi. Je sais pas si je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Oh, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Il est devant moi, il est devant moi. Mort toi, mort toi. Putain, ma lunette, elle est cassée. Oh, j'ai plus de balles, Il est où? Il est là, il est là, il court. Il est devant moi. Les gars. Il est devant moi là. Il est devant moi. C'est le pire combat les gars, vous l'avez vu? Mort. Il est mort. Il me faut des balles. Il était là.
Je vous assure qu'il me refaut des balles parce que. Côté de moi, alors il avait quoi comme arme? Mosin. Et l'autre il avait quoi? Vous avez pas regardé? Non. Y'a un autre mec, y'a un autre mec qui arrive derrière. Deux mecs. Putain, y'a un Bambi. Hein. Okay. Fumé, fumé. Attends, t'es où? C'est où? Ah oui, fume, 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 fume. Putain, je peux pas. Allume-les, 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 allume-les. Il est mort, il est mort. Ah, les deux sont morts. Il est où l'autre? Cours vers là-bas, vers l'arbre. Tiens, monsieur, barré. Vers quel arbre? Il court vers la petite. Le tout petit truc électrique. Oh, mais il y en a combien? Ah oui, non, mais attends, c'est. C'est une folie là. Il y a plusieurs, il y en a encore plusieurs là? Ouais, ouais. Ils étaient encore deux. Ah non! Pourquoi mon arme attire pas? Elle est pas cassée. Mort. Mort. Ah, mais ils sont remontés. J'allais dire. Il avait un 5. Y'a deux mecs qui arrivent à Foustoff à gauche. À gauche, ils nous ont vu, ils nous tirent dessus. Ils sont où? Ok, je l'ai vu tout au fond là-bas. Ah, ils me tirent dessus! Il est moi! Il est où? Putain, j'arrive pas à le voir. Je le vois plus. Ok, je le vois. Okay. Je l'ai vu, il a back. Y'en a, il a un beau vert. Ils ont back? À l'arbre là. Ouais. Ah, touché. Ok. Derrière l'arbre, moi j'en vois un derrière l'arbre. Il est peut-être mort. Ah, j'ai pris une balle. Ok, backé. Attends, je les vois. Je vais essayer de le fumer. Il part à gauche. Les deux, il y en a. Mort? Un de mort? T'es au fond là-bas? Il est où le deuxième? Vers la route, non? Tu l'as tué? Ouais, j'ai tué vers la route, au ras de la route. J'ai peut-être tué l'autre. Je vois pas de cœur. Il était vers la voiture, vers la voiture cassée là. Putain, faut que je retrouve des balles. Ah non, il est pas mort. Il tire dessus. Je l'ai, je crois. Ouais, je l'ai. Putain, ma lunette elle est abîmée, je vois rien. Il est mort ou pas? Non. Non, il court. Je te jure, je vois que dalle. Ah, il y en a un autre encore. Je vais le fumer. Mort. Je vais mort. Ouais, je vois rien, je suis mort. Non. Ah, si. T'es prêt, celui qui t'a tué? Ouais, tout près. Collé à toi. Ouais, 5 mètres. Non, Etienne, info? Il est allongé, je le vois pas. Il est allongé où? Il est sur top, point de taupe. Le point de taupe. J'en ai tué un. Il est où le point de taupe? Non, un peu plus bas. Il est dessus. J'en ai tué un là. Et il y en a un autre. J'ai 5 corps, bah c'est eux. C'est G5 ça, mais non. Attends, on leur a donné du stuff, j'espère qu'il n'y a pas le mec avec ma tante. Shiggy 223, il est revenu lui. Ok. J'ai 5 corps encore, mais putain, c'est que des G5 corps. Putain, du coup, j'ai pas retrouvé le save de l'autre là, le premier, les gars. Non, on va le trouver, c'est que le cadavre. Il est mort où? Oh, je suis complètement con quoi. Alors là, je suis complètement con. Attends, il est mort. Là, je suis dessus. Il t'est revenu sur son stuff, ce bâtard. Il a failli me tuer, gros. Ah, tu l'as tué? C'est BDSM. Ah bah ça en était un autre encore. Ouais. Ça en était encore un autre. Hein. Putain, moi y'a les mecs là encore, du coup y'a Gigi021 et BDSM machin là. Darklight et Gigi021. Gigi021, je l'ai exécuté le pauvre. Je suis désolé pour lui. Hein. Putain mec, il t'a allongé sur le stuff, il s'est retourné, il m'a tiré dessus. Oh j'ai vraiment cru que j'allais y rester. Hein. C'est vraiment le bordel à chaque fois qu'on est ici, genre y'a tout le temps trop d'action. Y'a un mec qui a écrit, j'ai 5 ans qui a écrit. Ok, ça tire. Je peux pas ulter là quand il est. Je vois. Il est où? Dans la colline caillou derrière la base. Ok, ça tombe bien, c'est là-bas où je vais. Touché mort, hein. Ok, bien joué. Il est à quel endroit l'autre? Là où il tire, je vois pas. Et il veut pas retirer son pote là? Bah, regarde dans ma colline si tu vois du monde et... Ok, je le vois, il est à la ferme en bas. Ah ouais? Ouais. Il est dans la ferme en bas. Bah je pense que c'est lui hein. Armé? Ouais. Regarde la ferme s'il ressort de l'autre côté. Je vois pas, j'ai des armes. Ouais, il est dans la ferme.
Il le péta. Il est dedans. Il m'a vu, je crois. Il attend là, je le vois. Putain, mais je suis tellement mal placé par contre. Dedans ou... Ouais, dedans, il a la porte, il a la décale. En fait, il a dû me voir arriver en troisième personne. Avec un barrette, ça passe ou pas? Ouais. Si toute la porte, Etienne, si toute la porte de là où t'es, de son côté, il est mort. Ah merde, Ah, si, le fond. De ton côté, toi, si tu ouvres la porte, il est mort. Ou sinon, je le rush, hein. Mais c'est un risque à prendre. J'arrive. J'espère qu'il est tout seul, quoi. Tu me dis quand t'ouvres, je pêche en même temps. Si t'entends, barrette, si tu veux. Bah, tu le vois, hein, il est toujours dans ton côté. Ouais. Hello, mon pote. Nice. Attends, je prends ça pour l'instant. Il est mort. Oh bah, je prends le reste. C'est Calveas. C'est sur mon corps le reste. En gros, il était comme ça, Etienne. Il était comme ça. C'est lui qui devait tirer, je pense. Hein. Je vois, bah après, il y a l'autre là que j'ai séché qui est là. Ouais, je le vois aussi. Etienne, c'est quoi? Je vais me manger un petit peu de confiture, Etienne. Putain. S'il n'y a pas d'inconvénient. Ça plaise, hein. Ok, je vois. Le Bambi va sur son stuff là-haut, Etienne. Ah, il retourne. En gros, ça. Ça tapait tout autour de lui. Il y en a un autre à droite. Qui est... Vous allez l'avoir? Il est où? Ah oui, ok. Il était descendu de la montagne ou il était dans le champ? Il partait à droite, il était en descente. Touché, moi. Bah, au KO. Mais là, il est tombé. Il est en face là-haut. Sur ta droite. Là, lui. Ah, il est KO, les gars. Attendez, laissez-le, on va le. J'ai pas une corde, vous avez pas une corde, quelque chose? Attends, j'en fabrique une. J'ai des menottes. Oh, nice. Ah. Fais-tu un bandage après? Fais un bandage tout de suite après. Hello, my friend. Oh, hello, my friend. Hello, my friend. C'est un russe. Thanks for the nice treatment. How are you, man? Tu parles avec un ancien gaz. Oh, ouais. Putain, merde, c'est un signe. You are German. Yeah, I'm German and you. Ah, we are French. We are French guys, man. Oh! Tu pris une tête? Oh putain. It's your friend? Oh, but you're gonna die. Top. Ça vient de par où? Ça vient de derrière, ça va de la montagne. Face à nous, derrière toi, Sean, un peu à ta gauche, face à moi là. Il a bougé à mon avis. Faites jusqu'à 20 mon stuff si vous pouvez. Sinon, c'est pas grave. On va garder ton stuff. On va trouver d'abord. Le truc qui est bien en vrai, c'est que t'as pas d'armes en main donc. T'as tué l'autre Bambi? Ouais. J'ai vu Top au loin, mec, du coin de l'œil, bourrir, genre. Ça m'a fait trop peur en plus, genre, ça a claqué, mais. Mais t'as dessus, je peux pas où il est. Il t'a dessus. Dans le, derrière l'arbre couché. Ah, il m'a tué. Derrière l'arbre couché. Ouais, il y a un arbre couché, il m'a tué. Il a pris une balle, il bug. Ouais. Du coup, ça a tiré d'en bas. Il est remonté par où? Bah, je sais pas, du coup, vers là-haut. Il doit être encore dans un sapin. Il est remonté par où, Top, tu sais pas? Enfin, comment ça, il est remonté? Il y en avait un là. Je l'ai tué, là. Un autre, là-bas, en face. Un mort, aussi. Il t'habille comment? T'es black, un peu, et pantalon vert. Oh, je l'ai mis dans le mal, KO, là où je suis mort, je crois. Le black, full black, dans le sapin, en face de mon cadavre. Il est KO? Ouais, je crois, il est KO. J'ai vu l'arme partir en l'air, donc je pense qu'il est tombé un sponsus. Combien de mètres de toi? En face de mon cadavre dans le sable. Je vois pas. Il avait pas bougé. Je crois qu'il est mort. Hein. Ouais, il doit être mort à mon avis. Ouais, check ID. Ouais, il est mort, Johnny. Oui, puis l'arme qu'il avait, il avait quoi? Il avait un HK417, ouais.
Bon, je vais venir les... On va venir les taper un peu. Je vais regarder si j'arrive à travers aux barrettes. Hein. Peut-être qu'il y a moyen. Hein. Après, sac de sable, ouais, je pense pas que ça traverse. Hein, s'ils ont des sacs de sable, comme tu me dis. Ce petit AK qui dépasse. Et je l'ai vu, il y en a pas un qui s'est déplacé accroupi. Et si, ils sont à la fenêtre... les deux fenêtres qui font face à nous. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, montrez-vous. Moi, je vais balancer la grenade. Hein. Manifestez-vous. En vrai la roquette en haut est largement plaçable. Hein. Mais vraiment. Hein. Si tu te sens chaud, mec, je suis sûr, ça passe. Hein. Ouais, bah si on a un petit viseur, vas-y, hein, je suis chaud. On n'a pas de viseur de roquette. Sur le RPG, on n'a pas un viseur qui traîne. Je sais pas si on en a un qui traîne, mais... Je les vois plus, là. Hein. Ouais, mais ils sont dedans, ils sont dedans. Ils étaient derrière les sacs de sable ou ils étaient entre la vitre et le sac ouais, de sable? Ouais, ils étaient derrière les sacs de sable. Si, on a un RPG avec une lunette. Ok, nice. Bah, si t'arrives à la caler dans la salle, là, chez eux, y a moyen d'en faire de... On va faire de la bouillie, hein. Oh là là, on a tout le temps des nouveaux voisins, mec. J'ai l'impression d'être de retour sur Livonia, là, quand chaque semaine, on avait des mecs qui s'installaient. À chaque fois qu'on revenait, on voyait des nouveaux mecs. Là, c'est un peu ça. T'es prêt à crash ou pas? Tu penses que je vais crash? Je pense qu'on va tous crash, hein. Tu penses? Ouais, y'a moyen, ouais. J'ai le RPG. Faut que t'arrives à passer au-dessus de la fenêtre, entre la fenêtre. Ah, c'est chaud, en vrai, mais y'a moyen, hein. Tu me dis si tu les vois, hein, qui sont là décalés tout haut. Ah là je les vois pas. Attends, faut que je vise où avec le viseur du RPG? Justement, je sais pas. Je sais pas du tout. Aïe. Dur. Bah écoute, je vais faire à la mire. Non. Je vais faire mon... avec ma souris, gros, je vais utiliser le... Comment ça s'appelle le... Le bouton précision, là. Le bouton précision, là. Ça a pété dedans ou pas? Je sais pas. Je crois qu'ils ont connu un cours, ils courent. Ils sont pas morts. Tiens. J'ai pris le lance-grenade, moi. Ah ouais, mais t'as mis la mire dessus, putain. C'est à quel endroit, gros, que c'est le 1? On va pas tirer comme ça. Je vais faire rien avec un doigt. Oui, bah, il va en refaire un, tu vas voir. Il y a des mecs dans la maison rouge en face. Pff, t'as vu les zombies à côté? C'est séché les zombies, gros. Vise plus haut que ça tombe vraiment en cloche dedans. Mais c'est chaud en vrai. Oh la vache, mais gros, comment tu veux... En fait, t'as même pas de mire là-dessus. Mais oui, t'as vu, t'as un rond, c'est horrible. T'as un rond, gros. Allez, vas-y. Allez, Inch'Allah. Oh, c'est rentré dedans. Oh là là, bah là, à mon avis. À mon avis, il doit faire la... Il doit faire la gueule, hein. La gueule, ouais. Je pense que là... Ouais, ça pique, hein. Je pense que ça pique, hein, pour nos amis, là. Écoute, je vais faire un tour. J'allais toquer. Reste en cover, j'ai posé le barrette. Hein. Là, la dernière roquette, franchement... Elle est rentrée, en plus. Elle est vraiment rentrée dans la salle. Parfait, hein. C'est parfait, mec, la roquette, là. S'il y en avait un dans la salle, mais... J'ai mal pour lui, vraiment. Il a ouvert une porte. Il va sortir, peut-être. Ouais, ouais. Soit il est rentré. Soit il y a un mec qui est rentré, soit il y a un mec qui est sorti. Enfin, qui a ouvert juste la porte en tôle. Ah, en tôle. Ouais, de sa maison. Oh, j'ai pas de nade. T'as des nades? Non. Non-stop, non, derrière. Ouais. Attends, mais ils ont construit un mur à l'envers. Ouais, par contre, oui. Mais gros, ils ont totalement construit un mur à l'envers. Ouais, mais après, il y a la porte derrière. Ouais, ouais. Mais putain, tout à l'heure, en plus, ils l'ont ouvert. Ils ont galéré à l'envers. Ok, j'ai vu un mec courir là-haut. Putain, au moment où j'arrête de viser, il passe. Mais c'est une blague. Tu veux que je leur parle? Ouais, va les voir. Hello guys. Hello. J'entends des mouches déjà. Y'a un mec qui est mort. Ouais, c'est sûr. Fine, and you? For what? Il est toujours en haut à l'étage. Ouais, je le vois. Enfin, je le vois passer des fois. Y'a des mouches, hein. Y'a un mec qui est mort, il a dû se bouffer la roquette, des gros. 100%. Non, lui, si tu l'as tué, dis-lui s'il a aimé la roquette. Did you like all the rockets?
Vous avez kiffé ou pas les petites roquettes là? Il y en a une qui est rentrée ou pas? Ou pas, alors qu'on sait très bien qu'elle est rentrée. J'entends des mouches là, je sais pas trop si c'est si c'est la roquette ou pas. Ah bah putain, incroyable. Ah, pour moi il y en a une qui est rentrée, ça a tué quelqu'un. Il y avait des villes partout quand même. En vrai, attends. Il a fallu que vous installiez ici quand même. Dis-leur qu'on leur laisse une chance de déménager. Et si jamais ils partent pas, on les raid. Vous êtes pas si mal. Bah après, si vous voulez, on peut vous laisser une chance de déménager. Bon, je t'avoue que je suis... Oula. Je suis pas avec eux en vocal, donc je sais pas ce qui branle. Ouais, genre... Je sais pas, vous déménagez, nous, on sera pas là, tu vois. On laisse une chance, quoi. Ça tirait ouais, sur qui? À l'intérieur? Non, c'est dans la colline, mais... Déjà, quand je me suis connecté tout à l'heure, c'était pareil, y a un mec qui tirait. T'es sûr que c'est pas sur nous? Non, je sais pas, c'est peut-être sur moi, je sais pas trop. Bon, bah, les prochains sur la liste. Hein. Ils ont dit quoi? Bah, ils veulent pas déménager. Tu veux pas ouvrir la porte, là, qu'on fasse une petite visite de courtoisie? Alors, comment ça se passe dans la maison rouge, là-bas? Parce que moi, là, j'essaie d'être gentil et tout, mais bon... Après, écoute, on nous a appelé pour tapage nocturne. Nous, on vient voir ce qui se passe. Et puis là, on veut pas nous ouvrir. Donc, j'essaye de négocier pour qu'on vienne nous ouvrir et qu'on vienne voir ce qui se passe dans cette maison, mais apparemment, tu veux pas. Donc, on va peut-être pas tarder à devoir rentrer de force. Là, il est 6 heures passées, hein, nous, on peut rentrer. Hein. Bon, les mecs dans la maison rouge, on a bien rigolé, là, on s'est envoyé quelques roquettes, c'était marrant. Mais bon, vous êtes installés un peu trop près de chez nous. Donc dans 2 jours, à cette heure-là, si vous êtes encore là, on vous dégage nous-mêmes. Donc vous faites votre choix. C'est vrai. On vous laisse une chance de partir et on vous fera rien. Par contre, dans 2 jours, croyez-moi, vous allez dégager. On jure solennellement que là, on vous laisse partir si vous voulez partir. Mais si dans 2 jours, vous êtes toujours là, bah là, vous allez déménager, ouais. Ils vont déménager? Pas dans ce village là du coup, hein. On est d'accord. Ah bah non, bah alors non. Et par contre, nous le contrat c'est vous déménager mais vous quittez la ville. Hein. C'est non négociable. C'est chez nous ici les gars! C'est notre village! Il raconte quoi de beau? Il dit plus rien, je peux la faire. Ah ouais les gars, va falloir déménager mais quand on dit déménager c'est... Changer le patelin. Ah oui, au fait, vous avez un mur à l'envers. Donc faites pas trop les malins parce que. Y a pas beaucoup de portes là. C'est vrai qu'il a pas tort. Après, si vous hésitez à déménager, on peut régler ça dès ce soir. Y a pas de problème. Nous, on est prêts. En plus, on a une toute nouvelle salle des coffres. Donc y aura tout ce qu'il faut pour stocker toute votre base. C'est vrai que votre base pourrait rentrer dans notre salle des coffres. Hein. Ah, ce serait pas trop mal. J'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans, mais. Si vous restez, faites des portes, hein. Faites beaucoup de portes. Tu sais où il est placé ou pas quand il parle? Bah oui, au-dessus de moi, il donne dans la chambre. C'est où la chambre? Il n'y a pas de fenêtre, c'est truc tout à droite. Ouais? Il a dit quoi, là? Bon, il faisait un peu le petit fou, quoi, mais... Ouais, y'a un tout petit trou en fait entre les sacs de sable et... Wow! C'est qui qui a tiré? Bah, je sais pas, ça doit être Non-Stop ou The Big D. Ils sont un peu énervés. On a rien à voir avec eux. Oh, ils ont jeté le lance-roquettes sur le toit. C'est un lance-roquettes usage unique. Ouais, oh, ils ont un mur quand même qui est à l'envers. Ça aurait pas dû leur dire. Mais attends, mais leur porte... Attends, leur porte elle est pas ouverte? Elle est ouverte. Mais oui, ouais, oui, voilà, oui. C'est ton... Ouais, on a vu, on vient de voir, on vient de voir, on vient de voir. Je pose le barrette et j'arrive. Bon, je vais pas aller manger tout de suite du coup. Et on a une hachette où? On a une hachette où? Ça doit être dans les coffres du bas ou je sais pas trop. Attends, déjà je range ça là-dedans. Je prends une arme ici. Bam. Attends, viens, connectez-vous sur notre Discord. Pas lui dedans, mais lui qui est rentré là, il est mort.
Ah, c'est lui qui est rentré, mais il y en a toujours un dedans. Hein. Faut quelqu'un qui couvre la porte. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lui causer à l'autre là. J'ai un pied de biche. La roquette, elle l'a peut-être tué. Hein. Ouais, pied de biche, c'est bon. J'arrive. Allez, Sean. Pied de biche en main. Je démonte tout, comme ça c'est plus simple pour les manœuvres. Ferme pas la porte par inadvertance. Il vous reste des roquettes ou pas, vous? Nous, on a tout utilisé. Hein. Sérieux? Ouais, il nous en reste un peu. Après, il nous en restait, on avait que 3. Donc... À mon avis, il en reste un dedans. Ouais, mais c'est lui à qui je parlais depuis tout à l'heure là. Mais je crois que c'est lui qui lui a ouvert la porte à son pote. Et du coup, il y a le mec qui est mort avec la roquette. Hein. Je pense aussi que ce soit lui. Attends, j'y vais, faites gaffe. Attends. Ouais, je me trompe. Ouais. Attends, je monte. Y'a personne. Oh. Oh. Ouais, ils ont pas grand chose. Roquette les gars. Roquette, roquette, c'est un roquette. C'est Viggy, c'est toi? Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Ça vient d'où? Je sais pas, ça venait d'à gauche, je crois. Ils ont quelques trucs hein, intéressants. Y'a un petit sulfure. Ouais, t'as bien d'où la roquette, attends. Je sais qu'a fermé. Ça a fermé, les gars. Qui a fermé? Qui a fermé? Qui a fermé? Il est où, Léo? Il est mort, il est mort. Mais il était où? C'était qui? Bah, il est rentré, gros. Ouais, il est rentré, j'ai vu faire la porte se fermer, gros. Là, il s'est par contre, ou... par contre, on est dans la merde. Mais non, Mars, mais non, on peut non, y'a KR encore dehors. Ils ont pas grand chose en vrai, hein. Je sais pas si c'est. Si, là, j'ai récupéré un sulfure, y'a des petits chargeurs, y'a des balles, y'a un LR. Y'a des tournevis ou pas? On va juste démonter leur porte, on va leur laisser le reste, hein. Prenez pas tout. Non, en vrai prenez-leur pas grand chose, hein. Tiens, en vrai, on leur a dit qu'on leur laissait deux jours. Ouais, prenez pas les stockages ni rien, prenez pas les trucs. Prenez pas les stockages, prenez pas. Bah, prenez pas des trucs trop insane, en fait. Faut qu'ils puissent reconstruire, on leur a dit qu'ils pouvaient reconstruire. On prend peut-être les armes ou quoi, histoire de leur faire comprendre qu'on est là, tu vois. Moi, je pense pas, ce sac de sable. On est pas là pour déconner. Ouais, putain, Etienne, il me dit ça tout à l'heure là. Il me dit, putain, y'a des mecs dans la maison rouge, ils sont installés et tout. Il me dit, oh, putain, on peut. Tu m'as fait peur tout à l'heure quand on est arrivé que t'as tiré. Mais ouais, me suis fait dessus, me suis fait dessus. Dans la colline, dans la colline. Tu l'as vu? Ouais, il a la maison jaune. Il est dedans? Mort, touché. Non, touché, mais mort, bien joué. Mort. Bien joué, bien joué. Ah, vas-y, je viens avec toi. Putain, j'avais le sac en main, gros. C'est bon, j'ai la tôle. Mais lui, je pense que c'est celui qui a mis une tête à taupe. Hein. Non? B17. Ah, je pense aussi. Ouais. Vous voulez récupérer ces armes ou pas? Ou vous en battez les couilles? Prends perso. Bon, vas-y, prenez. Nous, ça va, on a ce qu'il faut. Ouais. Bon, on leur a laissé. On laisse tout hein, chez eux, les stockages et tout. On est gentil, comme ça, si on les recroise, on leur dira qu'on leur a tout laissé. Qu'ils déménagent. Ouais. Hein. Et s'ils déménagent pas, bah, on recommencera.